salut tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la 100ème vidéo, elle se devait d'être un peu spéciale. Alors certes on va aller sur l'Oculus Rift comme d'habitude, mais j'ai sélectionné 3 démos qui vont nous transporter dans un passé pour moi, puisque ça, on va aller sur des jeux assez classiques et sur des univers que vous connaissez très bien. Voilà, on va tout de suite se lancer. Celui qui n'a pas reconnu la musique de début, je l'assassine, parce que vraiment ce thème de Mario est mythique. Et oui, vous l'aurez compris, nous sommes sur un circuit de Mario Kart Double Dash, il me semble. Rendu... Ouh ! Trop de sensations. Compatible VR dans cette petite démo. Alors, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Il y a juste le gros pif de Mario en plein milieu de l'écran. Et moi qui vais dans l'herbe comme un attardé. Ouh là là, ouh, je dois être le seul. Je dois être le seul attardé qui va dans ces panneaux, se bloquer, oui, c'est bien ça. Et je recule à grande vitesse. Waouh, mais ce pont, il est magnifique, quoi. Après 2 tours sur le circuit, vraiment, il y a de bonnes sensations, comme j'adore, quoi. J'adore retrouver des vieux jeux comme ça. Alors bon, certes, on n'a pas d'objet, on n'a rien, mais on a quand même le gros pif de Mario en plein milieu des yeux. Et ça fait bien plaisir, quoi. Ainsi que la petite visière de la casquette, tout en haut de l'écran. Ah, ça rappelle toute notre jeunesse, tout ça. Allons donc dans le château de Peach. Ok, c'est tout à fait impossible, on change de démo. J'ai l'impression d'avoir été violent sur ce coup-là, alors que c'était pas du tout mon intention, en fait. Alors, ce qu'ont fait les gars sur cette deuxième démo, c'est absolument incroyable. Ils ont rendu compatible la forêt Kokiri, là, je sais plus trop quoi, de Ocarina of Time, et la compatible Oculus Rift, quoi. On peut se balader dedans. Regardez, on peut sentir la poussière qui vole, là. On peut la sentir devant nos papilles. Enfin, je voulais dire devant nos yeux, mais je pense qu'au bout de 100 vidéos, vous commencez à comprendre mon langage un peu précaire. Mais regardez, c'est magnifique, quoi. J'aurais eu ça quand j'étais gamin, j'aurais été fou, quoi. J'aurais découvert le jeu, là, sur l'Oculus Rift, mais vous m'auriez pu enlever le casque de la tête, quoi. Je me le serais greffé, quoi. Voir ces petits panneaux qu'on comprend pas, là, devant soi, c'est incroyable. Bon, par contre, rentrer dans les maisons, c'est un peu risqué parce qu'il fait sombre. Ah, je donnerais bien des coups d'épée dans ces trucs pour obtenir des rubis. En parlant de rubis, ça serait pas un rubis là-bas ou loin, mais c'est vraiment loin, hein. Ah ouais, mais c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Je vous assure, on s'y croirait. Ah, je peux pas ramasser le petit rubis, c'est bête. On peut aller dans les autres herbes. Ah, il y a des rubis cachés. Qu'est-ce que c'est là? Collecte 10 boulders. C'est quoi les boulders? C'est les rubis? Ah, si c'est les rubis, hein, ça va aller vite. Ah, je sais pas c'est quoi les boulders. Ah, il y avait un truc à faire, mais je sais pas c'est quoi. Franchement, je crois avoir fait le tour du niveau et ça rend vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien fait. Et je pense que s'il y a de plus en plus de démos faites comme ça avec l'Oculus Rift, on peut faire de magnifiques choses. Ah, on peut pas passer là-bas là-dessous, regardez. On ne peut pas. Espano m'indiquera pas comment faire. Bon, ouais, c'était pas mal, c'était amusant, hein, même si pour vous, bah forcément, vous viviez pas l'expérience. Mais je peux vous dire que c'est très bien. Donc, on va passer au troisième jeu. Non, mais cette musique aussi est magnifique. Alors bon, le troisième jeu, on va y passer beaucoup moins de temps, quoi, parce que c'est juste une toute petite démo Pokémon. En fait, on peut voir des Pokémon devant nous. Alors moi, je trouvais ça assez sympa, parce que finalement, Pokémon, c'est un jeu auquel on a tous joué, et ça parle vraiment à tout le monde. Puis voilà, c'est sympa. Voilà, on a un Magnemite niveau 10 devant nous. C'est pas plutôt Magnétine ou un truc comme ça? Non, je sais plus du tout le nom des Pokémon. Bon, quand j'ai vu cette démo au début, je croyais qu'on pouvait jouer, mais on peut juste se tourner, voilà. Jusqu'à là-bas, voir la forêt derrière nous. C'est assez marrant. Alors bon, cette vidéo a pas été super travaillée, je vous l'accorde. Ça a pas été super marrant pour vous, peut-être, hein, je ne sais pas. Malgré que ce petit magnétique avec ses boulons et ses vis bien sexy donne envie, je suis d'accord. Et lui là-bas qui nous regarde. Coucou. As-tu un problème avec l'existence de cette vidéo? Voilà, la réponse était non. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si ça a été très très court. Je dois vous dire que j'ai quand même recherché des jeux, j'en ai quand même testé pas mal de petites démos avant d'obtenir celle-ci, parce que il y en avait plein qui ne marchaient pas avec des anciens jeux. Et moi, j'espère que ça vous aura plu. Donc bah, c'est vrai qu'en 100 vidéos et en plus de 3 ans d'existence, la chaîne a bien changé parce qu'on est passé à quelque chose comme ça. Salut tout le monde, c'est on se retrouve aujourd'hui à quelque chose d'un peu plus dynamique dans ce genre. Salut tout le monde, c'est... Donc voilà, ça n'est pas plus mal. Alors même si le nombre d'abonnés a forcément pas explosé, vous pouvez le constater, moi j'acquiers de l'expérience de plus en plus et ça me fait toujours plaisir de vous proposer du contenu. Et vous aurez encore et toujours 2 vidéos par semaine. C'est pour ça que je vais vous retrouver vendredi sur un jeu bien sympa. Je ne vous dis pas encore sur quoi, parce que même moi je ne sais pas en fait. Et du coup, je vous dis à très bientôt les amis. Salut tout le monde.
I'm looking back, I'm trying to get my mind right. Was it you or me in the limelight? So I'm waiting for the time right. So let you go, so I can make my wrongs right. We weigh ourselves down when we don't need to be.